Les GG, tout sur les dessus de l'actu. Moussa Moïsila, Tamba Milimuno, Roby, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à cette représentation des grandes gueules. Nous sommes mercredi aujourd'hui. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous servir. Vous qui nous écoutez à l'étranger, vous pouvez réagir à cette émission en partant sur Twitter à travers le hashtag EspaceGG. Vos préoccupations seront entièrement prises en compte. Vous qui nous écoutez en Guinée à travers nos stations régionales à Kankan, Nzérékoré, à Labé puis à Boké, c'est encore un plaisir de vous servir ce matin, l'équipe au grand complet. Le président de la nouvelle Assemblée guinéenne, nous posons la question, l'honorable Amadou Damaro Camara, prendra-t-il part aux 5e assises mondiales des présidents de parlement? La question attend d'être tranchée finalement par la présidente de l'Union interparlementaire, dont le courrier à Abdourahman Sano, coordinateur du Front national pour la défense de la Constitution, a comme assiédi les ardeurs de la nouvelle législature. En cause, un courrier d'invitation du 25 mai dernier attribué à l'Union interparlementaire et au Conseil national autrichien est brandi comme un trophée de guerre par la nouvelle législature, par les députés de la République, qui vient d'être récusé et donc placé sous réserve de clarification. Il s'agit, à n'en pas douter, d'une nouvelle manche dans le combat du FNDC qui vient d'ailleurs d'annoncer de nouvelles manifestations. Quelle est la vérité sur ce courrier? La reprise des manifestations sera-t-elle effective? On pose la question ce matin. Ceux qui y répondront, c'est bien l'honorable Domani Doré. Elle est députée RPG Arc-en-Ciel à l'Assemblée nationale et à sa suite, Ali Ouba, membre du FNDC. Nous l'avons annoncé hier, nous l'entendrons donc ce matin. Et puis, ceux qui ne lâchent pas le morceau, des sympathisants de Dadis Camara, chef de la junte du bout de la première décennie des années 2000, qui continue de réclamer et d'attendre le retour du fils prodigue. Un des promoteurs s'exprimera sur nos antennes. Et si tout va bien, si tout va bien, le secrétaire général de la FESATEL, dont il a été question hier ici avec Abdoulaye Sow, rompra le silence et vous l'entendrez justement sur les bisbilles et les difficultés rencontrées dans la collaboration avec l'USTG de Conakry. Ceci au bout d'une heure, au bout de deux heures, bien entendu. Et c'est avec mes amis tous les matins. Jacques Léoaleno, bonjour. Bonjour Tamba et bonjour à tous. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Bienvenue. Roby, bonjour. Bonjour. Pressé de dire bonjour. Oui, mais pressé parce qu'il faut préciser qu'honorable Domani Doré est la première secrétaire parlementaire et le porte-parole du RPG Arc-en-Ciel en charge de la communication. D'accord. Elle était récemment promue. C'est une promotion? Absolument. Bah, député, ça suffit déjà. Hein. Bah, oui. Nouveau titre pour ajouter. Et Jacques, on va commencer avec vous. Le président de la République s'était exprimé, je crois que c'est avant-hier. Il a été question suffisamment hier. Mais il y a de ces domaines qui semblent oubliés dans la déclaration, dans l'adresse du président de la République. Oui, parce que nous avons pu constater à chaque fois qu'il parle, c'est pour alléger un peu les mesures d'urgence qui ont été prises en mars dernier. Mmh. Mais il nous a permis de connaître un petit assouplissement dans les mesures. Et donc, la dernière communication, c'était espéré dans certains milieux que dans la restauration, par exemple, dans le transport, que nous puissions connaître davantage des allègements. Mais ce n'est pas ce qui a été fait. Moi, je me suis intéressé principalement au transport. On en a parlé suffisamment lorsqu'on a refusé de baisser considérablement le prix du carburant. Non, non. Le gouvernement s'était défendu comme quoi si on diminuait le prix du carburant ici, on allait encourager la contrebande au niveau des frontières. Mais la réalité, c'est qu'ici, le transport est devenu très coûteux. Alors que le président, il autorise quand même l'ouverture des classes pour certaines classes, certains niveaux du primaire, secondaire et l'université à partir du 29 juillet. Je me demande comment, n'est-ce pas, les élèves, les étudiants vont pouvoir se déplacer facilement pour rejoindre, n'est-ce pas, ces établissements. Mmh. Il n'y a pas de,
des mesures d'accompagnement. On ne peut pas compter sur ces bus, il faut bien le dire clairement. Moi d'ailleurs, je me suis toujours opposé à ce transport qui, à mon avis, est un facteur de contamination, puisque les gens ils vont pour s'entasser. Il y a une promiscuité de telle sorte que s'il y a quelqu'un qui porte le virus à l'intérieur d'un bus, c'est très facile qu'il puisse, n'est-ce pas, le partager là-bas. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, il fallait qu'on puisse, n'est-ce pas, se pencher sur cette question. Soit on s'attaque au problème au niveau du carburant, ou bien on estime qu'on ne veut toujours pas réduire le prix du carburant, alors on trouve moyen qu'au niveau des conducteurs, je ne sais par quelle stratégie on va procéder, mais qu'on trouve moyen pour que le transport soit revu à la baisse. Sinon, je me dis encore une fois qu'il sera très difficile pour les élèves de se déplacer à partir du 29 juillet prochain. Pour ce qui est de la restauration, on sait, il y a des restaurants qui ouvrent la journée, même si ils ne travaillent pas pour beaucoup de temps. Mais lorsque le couvre-feu, encore une fois, intervient à partir de 23h, d'ailleurs, ce n'est même pas pour eux, parce qu'il n'y a pas eu d'allègement sur ce plan. On n'a pas dit qu'on ouvrirait, n'est-ce pas, ces lieux de vente qui travaillent spécialement les nuits. Il y a la préoccupation fondamentale. On sait que c'est un problème pour l'économie nationale et le président dit, bon, nous apportons des réponses et on va demander au ministre de se pencher sur la question, évaluer ce qu'il y a comme perte pour qu'on puisse, n'est-ce pas, favoriser ces promoteurs au point de vue fiscal, des allègements fiscaux pour permettre, n'est-ce pas, aux promoteurs de ces restaurants, de ces hôtels, de pouvoir se relever après. Mais il y a une question à laquelle on ne répond pas. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait de ceux qui y travaillent, qui sont employés là-bas? Parce que eux, ils sont tout simplement abandonnés pour l'instant, puisque ça ne travaille pas. Donc, ils sont à la maison. Mais leur situation n'était pas des meilleures avant même la crise. Oui, leur situation n'était pas des meilleures, mais c'était quand même quelque chose de je ne dirais pas suffisant, mais quelque chose d'important pour certains qui ont pu quand même fonder leur foyer dans ça. Il y en a qui construisent des familles dans ces métiers-là. Ils sont à la maison. Ils sont à la maison, ils ne travaillent pas. Et tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne sont pas payés. Donc, même si on procède aux allègements fiscaux, il n'y a rien qui dit que leur situation va être, n'est-ce pas, réglée. Donc, je ne sais pas, on est en train de prendre des solutions là-haut pour que les premiers bénéficiaires soient les promoteurs, mais le gouvernement n'est pas certain que ceux qui travaillent, je veux dire les employés, puissent, n'est-ce pas, sentir, n'est-ce pas, ces mesures-là. Pour vous, Jacques, sur la question des transports, la recette, ce serait quoi ? Qu'aurait dû faire le président de la République ? À quelle annonce est-ce qu'on aurait dû s'attendre ? Je pense que c'est pour maintenant, il était difficile pour lui de répondre sans s'attaquer, n'est-ce pas, à la question du carburant. Et je crois que ce n'est pas à travers un discours comme celui qu'il a tenu qu'il pouvait, n'est-ce pas, décider de la baisse du prix du carburant. C'est ce que nous avions estimé au départ lorsque le Premier ministre a pris des mesures. Nous avons estimé que c'était le carburant la solution. Il a sa... En tout cas, plusieurs ont conseillé. Voilà, il a sa compréhension, il a sa lecture de l'économie. Il nous a fait comprendre que ce n'est pas la solution. Mais en réalité, je pense qu'il n'a pas dit vrai. Parce qu'il avait dit que la meilleure des choses pour aider le citoyen, c'est d'investir dans les produits alimentaires, c'est de lui permettre d'accéder, n'est-ce pas, à ce produit à moindre coût. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'il n'y a pas eu de subvention pour permettre à ce que le prix du riz ne connaisse pas une hausse. Il n'y a pas eu de mesures qui permettent à ce que les produits vivriers, par exemple, qui sont à l'intérieur du pays, on en a parlé suffisamment, la pomme de terre et beaucoup d'autres qui étaient, n'est-ce pas, abandonnés à l'intérieur, qui n'arrivaient pas, n'est-ce pas, ici au centre-ville. Ça veut dire que les citoyens continuent à accéder, n'est-ce pas, à ces produits avec les mêmes difficultés. Donc, on a refusé de baisser le prix du carburant en promettant qu'on va agir sur les prix des produits alimentaires et ça n'a pas été fait. Donc, finalement, rien n'a été fait. Et pour ça, j'ai envie de dire qu'il y a un peu plus de difficultés avec cette crise. Mon cher Antoine, il y a une particularité guinéenne dans le cadre de cette riposte. Ailleurs, un peu partout, on a distribué des vivres.
il y a une politique d'accompagnement social, cette solidarité. En Guinée, on n'en a pas assez vu. Le président a partagé, je crois, 600 sacs de riz à des citoyens. Antoine, tu veux énerver les gens ? Non, pas énerver, mais c'est important de le mentionner. 600 sacs de riz. Il a aussi évoqué, je crois, c'est 1 million et quelques de masques qui ont été envoyés à Conakry pour être distribués. 800 000 et 1 million 200 en plus. Ce n'est pas suffisant, certes, mais c'est un geste qui a été fait par le chef de l'État. L'autre chose qu'il faut rappeler... Pourquoi tu soulignes ça? Je le souligne parce qu'il faut le souligner. Ailleurs, ce sont des tonnes de riz, ce sont des sacs de riz par millier. Voilà. Chez nous, c'est carrément dérisoire. Et même un particulier ferait mieux que ce qu'a fait le chef de l'État. En effet. C'est une façon de... C'est une ironie que je fais. Comme pour dire qu'Alpha Condé, certes, a la volonté dans ses façons de faire d'aider la population, mais dans les actes, on ne le sent pas assez. De l'autre côté, récemment, j'évoquais le cas de la restauration. J'ai dit qu'il y a des citoyens qui ne respectent pas la mesure la nuit. On a été interpellé hier par des citoyens qui sont à proximité de Titanic en face de Ambroise Paré. Okay. Rappelez-vous le site sur lequel il devait être déguerpi. Mais aujourd'hui, l'ambiance a repris de plus belle de ce côté. Les gens y vont par milliers. La zone est fréquentée et elle fait face au palais du peuple pour ceux qui sont fréquents de ce côté-là. Oui. Mais les gens y vont, mais chaque nuit, c'est la bonbonce, c'est l'ambiance qui se passe de ce côté-là. Et des citoyens nous ont interpellés et ils nous disent clairement qu'il y a de forts risques que des personnes soient contaminées de ce côté-là parce que les citoyens, chaque nuit, même des personnalités non des moindres, et s'y retrouve. De toute façon, Antoine, l'état d'urgence n'a pas été respecté. Justement. Donc, il y a beaucoup de choses que le président a annoncées comme mesures, mais qui, dans les faits, ne sont pas respectées. Oui. Même au-delà du couvre-feu, ça se constate. Il y a eu récemment, et ça, j'aborde le cas du transport, il y a eu la mort récemment du guitariste Petit Condé. Petit Condé. On a entendu le communiqué du ministère de la Culture, même des cas de ce département, qui disait qu'il restait accroché, avant la mort de Petit Condé, qu'il restait accroché au discours du président, qui certainement allait alléger la mesure sur le transport, notamment au niveau de l'aéroport. On attendait que ça pour évacuer Petit Condé. Puisque... Non, c'était un faux alibi. Non. C'était un faux alibi. C'est après la mort de Petit Condé que ça a été annoncé. Mais ça a été dit qu'il fallait attendre que l'aéroport soit désormais rouvert. Parce que Antoine, c'est une fausse excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Non, en termes d'évacuation sanitaire, il s'agit de mesures exceptionnelles pour lesquelles on peut négocier certaines facilités. C'est l'argument qu'on nous a avancé malheureusement. On nous a fait savoir qu'on attendait que le président prenne la parole et qu'il lève des mesures. Certainement, la mesure de l'aéroport ferait partie, mais malheureusement, ce n'a pas été le cas. Je pense que... Ce n'est pas ce qui a tué Petit Condé, ce n'est pas le fait qu'Alpha Condé ait pris du temps pour prendre la parole. Parce que la mort est survenue à la veille de je crois que c'est le même jour que le président a pris la parole que Petit Condé est décédé, le lundi. Et donc, aujourd'hui, il y a cet impact-là parfois sur certaines personnalités. Il y a d'autres cas qu'on peut citer parmi tant d'autres. Il y a Mori Kanté qui est décédé, qui n'a pas pu être évacué. Il y a beaucoup d'autres, comme Victor Traoré, qui aurait pu être évacué. Beaucoup comme cela. C'est des gens qui sont habitués de contrôle. Qui se faisaient traiter à l'étranger, qui périodiquement vont à l'étranger pour se faire traiter, mais qui, à cause de la fermeture de l'aéroport, n'ont pas pu bénéficier de cela. Maintenant que tu en parles, Antoine, tu me tends la perche. Roby, au Sénégal, au Maroc, un peu partout, il y a des Guinéens qui veulent entrer. On se dit, on maintient l'état d'urgence et nous, on nous maintient en dehors de notre pays. La question peut être fondamentalement le maintien de l'état d'urgence, certes qu'il y a un impact, mais l'autre question qu'il faut pas occulter, c'est qu'il faut qu'il y ait l'existence des vols humanitaires. Il faut qu'il y ait l'existence des vols humanitaires pour que des évacuations puissent se faire. Petit Condé, dans le cas de Petit Condé, même si le président avait pris le discours le samedi, qu'est-ce qui garantissait qu'il aurait pu être évacué s'il n'y avait pas un vol humanitaire? Je ne vois pas comment ils auraient trouvé les moyens de louer un avion pour l'évacuer. Ça peut s'organiser, parce que si ça touche tout de suite quelqu'un de haut placé, ça va s'organiser. Oui, c'est l'État qui paye à ce moment-là. Donc je veux dire que les particuliers en ont beaucoup souffert, c'est vrai, mais il ne faut pas faire le lien fondamental. Et ce que moi je voudrais surtout dire sur les mesures d'allègement, c'est vrai que les gens s'attendent beaucoup à ce que l'impact sur la baisse du carburant puisse être plus important que les autres mesures qu'on a prises, les autres mesures d'accompagnement des entreprises, des PME, des ménages, etc. Ce sont des mesures, certes, qui sont des mesures à saluer, mais je ne vois pas comment le déroulé aurait pu directement impacter comme la baisse du prix de carburant aurait pu le faire sur
tous les citoyens confondus, de toute profession confondue. Je pense qu'aujourd'hui, je pense que le président de la République va réfléchir, doit réfléchir à cela. L'état d'urgence continue encore un mois, 30 jours de plus. Rien ne l'empêche de faire la surprise très rapidement pour dire aux Guinéens, écoutez, vous en avez beaucoup souffert, nous rentrons dans le quatrième mois d'état d'urgence. C'est vrai que l'économie en a pris un coup, tout le monde en a pris un coup, les activités en ont pris un coup. Donc en baissant le prix du carburant, dans l'espoir que cela puisse impacter toutes les activités de part et d'autre. Je pense que Jacques a effectivement raison sur cette question-là. Alors Moussa Moïse, bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment de subir ou d'être en état d'urgence? Moi, non. Oui, j'ai le sentiment d'être en état d'urgence. Je pouvais me permettre de rester un peu tardivement dehors. Je ne peux plus me le permettre. Il faut rentrer quand il est avant 23 heures, à moins que vous ayez un document spécifique qui vous permette de circuler. Mais l'état d'urgence, ça contient aussi d'autres restrictions. Les rassemblements et tout ce qui va avec, tout ça. Il y a des pans qui ne sont pas respectés, mais il y a aussi d'autres qui sont respectés. Je pense que l'essentiel n'est pas respecté du tout. Vous avez des vendeuses qui sont obligées de fermer boutique à partir de 18 heures. C'est quand même un effet. Donc, il y a des pans qui ne sont pas respectés. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a certaines mesures qui sont tout de même appliquées. Maintenant, moi, ce qui m'importe, ce ne sont pas les annonces. C'est comment on applique ça. Ah bah voilà. C'est comment on les met en œuvre. Vous avez le fait que le gouvernement mise beaucoup plus sur Conakry que considéré comme étant l'épicentre de cette pandémie. C'est vrai, Conakry a connu les premiers cas. C'est vrai que nous avons plus, Conakry a plus de cas que toutes les villes de l'intérieur du pays. Mais quand vous voyez la progression de la pandémie à nos jours, vous vous rendrez compte que de nouvelles préfectures sont touchées. J'apprends que Masanta a connu déjà deux premiers cas. Masanta qui était épargné. Ça veut dire que c'est en train de partir, c'est en train de progresser. Je le disais en début de semaine, il faut élever les défenses de la riposte contre la COVID-19 dans les zones qui n'ont pas été touchées. Pour ne pas que, justement, la chaîne de contamination s'étende sur l'ensemble du territoire national. Le président a dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, là-bas vous êtes libre. Et ça, c'est mauvais. Je pense que ce n'est pas une bonne stratégie. Vous savez, ce qui risque d'être grave pour les Guinéens, on risque d'être isolé comme on l'a été au temps d'Ebola. On risque d'être isolé parce que tous les pays qui font du sérieux dans la lutte, qui vont obtenir rapidement des résultats et qui vont prendre des mesures drastiques, ces pays-là, puisque nous aimons voyager, on aime aller se faire soigner, on aime aller faire nos checks du côté de l'Europe et autres, mais ces pays-là vont subordonner les différents déplacements des Guinéens à la présentation d'une patte blanche. La patte blanche serait la présentation d'un certificat médical qui atteste qu'à un moment donné, vous avez fait le test et vous avez été déclaré négatif. Je pense qu'on risque d'être marginalisé, on risque d'être catalogué. À cela, il va falloir ajouter le fait qu'en termes d'image, le pays en prendrait un véritable coup si d'autres pays de la sous-région s'en sortent avant nous. Je le dis parce que On s'en fiche de notre image, Non, mais pour l'instant... À quel moment ça a été une préoccupation, l'image du pays? Pour l'instant, nous sommes pas mal placés par rapport à certains pays de la sous-région. Les grands gars. C'est le moment pour nous de prendre conscience de l'avantage que nous avons et de renforcer notre capacité de riposte. Il faut élever les défenses de la riposte à l'intérieur du pays. Il faudrait que le laisser-aller s'arrête. Masanta est touché et ça va continuer à progresser comme ça si on ne fait pas attention. Comme ça, c'est à côté là, comme ça. Vous quittez la Roby, n'est-ce pas? Vous quittez là moins de 3 heures si tout va bien. Vous êtes à comme ça. Mais exactement. 3 heures, 4 heures. Les boîtes de nuit sont fermées. Non, à pas toi. Les maquis. Conduit comme Michael Schumacher. Les boîtes de nuit sont fermées. Les maquis sont quand fermés. Quand je suis seul. Les marchés à partir de 18h qu'on a créé. Vous avez le couvre-feu qui va de 23h à 4h du matin du côté de Conakry. L'intérieur du pays est exempté, par exemple, de l'allègement de ce couvre-feu inexistant à l'intérieur du pays. Alors, qu'est-ce qui m'empêche, moi fêtard, moi qui aime la bombance, moi qui aime tout ce qui est... Les grandes gueules. Qu'est-ce qui m'empêche de quitter Conakry et d'aller faire la Java. C'est la ville d'à côté, là. Je le fais sans prendre soin de connaître mes contacts, mon statut sérologique et autres. J'y vais et je peux être un facteur de propagation de ce virus. Il faudrait que l'État prenne cela en compte parce que la semaine dernière, selon des sources au niveau de la commune, il y a eu un regroupement dans un complexe
dans un réceptif de la place, n'est-ce pas? Fermé, parce que c'est ça la stratégie. Dehors, vous n'entendez absolument rien, mais à l'intérieur, ça bouillonne. Ça boue à l'intérieur. Exactement. Parce qu'on fait le show, on fait tout, mais au détriment de toutes les mesures qui sont posées aux autres. Moussa, s'il te plaît. Oui. Je me pose. Comment tu comprends ça? Je n'arrive pas à comprendre que malgré, même contre sa vie, on veut aller danser. Mais qu'est-ce que tu veux Il y a un problème. C'est quand même surprenant. Il y a un problème qu'il ne faut pas occulter. C'est que les grands hôtels de Conakry ont rouvert en catimini. Ça a rouvert. Si je dis en catimini, officiellement, ça ne devait pas l'être. Mais il y a du monde qui y va. Si vous allez, je ne veux pas mettre à citer pour ne pas faire de la publicité, mais il y a des gens qui continuent à y aller tous les jours pour se restaurer, passer la journée, et ils y viennent en nombre. Et même parfois passer la nuit. Hein. Et même parfois passer la nuit. Donc ça veut dire que d'un côté ou de l'autre, je pense que si nous insistons sur le fait que les petits tenanciers qui vivent de leurs activités au jour le jour et qui sont dans les quartiers soient oppressés par les forces de l'ordre, parce qu'il y a des moments où il y a les forces de l'ordre qui descendent dans les baraques, des restaurants pour y cueillir les gens, mais ils font bien attention à l'endroit où ils vont, parce que vous avez des endroits qui sont fréquentés par ce que je vais appeler l'oligarchie, c'est-à-dire les fonctionnaires, les directeurs, la jet set ici hasarde jamais. C'est là où mes petits amis du quartier se retrouvent en tirant bien évidemment l'exemple sur la jet set qui de l'autre côté aussi se regroupe. C'est là où ils vont pour ramasser les gens. Donc ce deux poids deux mesures, point de frustration qu'il faut noter. Roby, ce que tu es en train de décrire, si ma mémoire est bonne, les premières mesures qui ont été prises avaient ordonné la fermeture temporaire des restaurants. À quel moment est-ce que le président les a rouvertes? Non, ça n'a pas été ouvert, justement. Mais tous fonctionnent aujourd'hui. Mais oui, justement, c'est de ça que je parle. Officiellement, c'est fermé, mais officieusement, ça fonctionne. Des restaurants, on a estimé qu'il fallait que les mesures sanitaires soient respectées, notamment, il ne fallait pas qu'il y ait de regroupement au-delà de 20 personnes. Également, il fallait qu'on y trouve des kits sanitaires, notamment les kits de lavage de mains. Et également, je crois que ce sont les gels hydroalcooliques qui devaient s'y trouver. Et donc, ce sont généralement les hôtels où on a carrément interdit l'ouverture, mais les restaurants, c'est un nombre réduit qu'il fallait respecter. On parle de restaurants, mais il y a les mariages qui sont autorisés. Alors que le gouverneur, rappelez-vous, dès le départ, avait interdit les mariages pompés, les mariages grandioses. Mais aujourd'hui, ça a repris de plus belle. Observez à Conakry les week-ends, il y a des mariages qui se font. Et c'est le RPG, le champion de ce type de mariage dans les mairies. Ce week-end, il y a eu un mariage assez bien fourni. On n'en parlera pas. Allez-y. Heureux mariage à toi, par ailleurs. Il y a eu beaucoup d'autres mariages au cours desquels on a assisté à une mobilisation forte de citoyens, et pas des moindres. On voit des cadres de département qui prennent part à ces cérémonies, et des agents des forces de sécurité qui y prennent part et qui font de l'ambiance. Ce qu'il faut noter, c'est que nous-mêmes citoyens n'avons pas le souci de cette maladie. Beaucoup parmi nous ne prennent pas la mesure de la situation. C'est pourquoi on aura du mal à juguler la maladie, ce que je ne souhaite pas du tout. Mais il faudrait que les citoyens eux-mêmes sachent que la maladie, elle est très dangereuse. Il faut qu'on l'évite. C'est quand même l'autre aspect sur le plan éducatif. Très rapidement, c'est l'enseignement technique qui a été omis dans le discours du président. On a cité les différents secteurs de l'enseignement, pré-universitaire, l'université, tout cela. Mais au niveau de l'enseignement technique, rien n'a été dit. Mais il n'y a pas péril à la demeure pour l'enseignement technique. On parle des classes d'examen, non? Les classes d'examen. Oui, mais au primaire, secondaire. Primaire, secondaire. On n'a pas cité l'enseignement technique. On aurait pu. Exactement. Je veux juste souligner une chose. Il y a dans le discours du chef de Premier ministre, lorsqu'il parlait du plan de riposte économique au Covid-19, il a mentionné deux choses qui ont retenu mon attention. Parce qu'il ne faut pas voir la lutte qui est menée maintenant. Il faut voir les effets de la lutte après le départ de la pandémie. Il faut voir ce qui restera de notre système de santé, ce qui restera de notre économie. Il a annoncé le transfert monétaire, les transferts monétaires qui vont viser un certain nombre de ménages qui avaient déjà été ciblés, ça par le volet exécution de l'agence. Je crois que c'est la phase 2. Exactement. Donc ça, c'est important parce qu'il y a de ces ménages qui tirent énormément le diable par la queue. Ensuite,
N'oublions pas que Ebola nous a prouvé que nous n'avions pas un système sanitaire adéquat. Mmh. Ebola est venu trouver que notre système de santé en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, était vraiment à terre. Mmh. On a dit Ebola est une opportunité. Mmh. Une opportunité dans ce sens que les effets induits de cette maladie, avec l'aide des partenaires de développement, auraient pu permettre donc de pouvoir de renforcer le système sanitaire, d'équiper un peu nos hôpitaux, de reconstruire d'autres à l'intérieur du pays, surtout où il y a un manque criard. Cela n'a pas été fait après Ebola. Maintenant que Covid-19 est là, je pense que c'est aussi une opportunité. Mmh. Une opportunité parce que l'annonce dans le discours du Premier ministre, il a annoncé qu'il y aurait un nombre, j'oublie le montant, mais il y a quand même la plus grande partie des fonds qui seront injectés dans la riposte économique, qui vont être, la plus grande partie sera consacrée à soutenir nos systèmes de santé, notamment à construire la composante sanitaire, à construire un hôpital qui réponde un peu à toutes les exigences de l'heure. C'est quand même assez grave. Nous avons des hôpitaux qui ne peuvent pas soigner certaines maladies. Nous avons des hôpitaux qui n'ont pas certains équipements. Nous sommes au 21e siècle. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas un système sanitaire qui réponde. Il faut non seulement à Conakry mettre un hôpital d'élite qui réponde à toutes les, qui peut faire face à toutes les maladies, à toutes les exigences sanitaires, mais aussi à l'intérieur du pays, il faut renforcer les hôpitaux nationaux qui existent à l'intérieur du pays et dans les différents postes frontières, mettre des centres de santé qui puissent également donner les premiers soins pour les maladies les moins graves. Si le système sanitaire reste tel qu'il est, après Ebola, après Covid-19, je pense qu'on est mal barré. Après une autre pandémie, il va falloir tout remettre à zéro. Donc, je voudrais qu'on fasse la comptabilité après cette pandémie. On a eu combien d'ambulances? On a eu combien de respirateurs? On a équipé combien d'hôpitaux? On en a construit combien? Il y a combien qui sont en voie de construction? Et qu'est-ce qu'on a fait en termes de renforcement des capacités de nos médecins? Si tout cela n'est pas fait après, je pense que Ebola comme Covid-19 n'aura été qu'une sorte de gâchis. En tout cas, ce sont des questions qui méritent d'être posées. On en attendra un peu plus les jours à venir pour savoir ce qu'il en est. Et puis ceci, comme on vous l'a dit, le président de la nouvelle Assemblée nationale guinéenne, l'honorable Amadou Damaro Camara, prendra-t-il part aux 5e assises mondiales des présidents de parlement? La question attend d'être tranchée par la présidente de l'Union interparlementaire, dans le courrier Abdourahmane Sano, coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution, a comme attiédi les ardeurs de la nouvelle législature. En cause, un courrier d'invitation du 25 mai dernier attribué à l'Union interparlementaire et au Conseil national autrichien et surtout brandi comme un trophée de guerre par les députés guinéens qui vient d'être recusé sous réserve de clarification. Il s'agit donc, à n'en pas douter, d'une nouvelle manche dans le combat du FNDC qui vient d'ailleurs d'annoncer de nouvelles manifestations. On pose bien la question tout simplement, qui ment dans cette affaire de courrier polémique? Nous entendrons l'un après l'autre, l'honorable Domani Doré, elle s'exprimera sur nos antennes et à sa suite Alioubaba que nous entendrons également. Et puis il y aura clash vers la fin de cette émission, le secrétaire général de la FESATEL, donc le syndicat au niveau des télécoms, s'exprimera sur nos antennes en réponse bien sûr à l'intervention hier sur nos antennes du secrétaire général Abdoulaye Sow. De cela il va être question et c'est dans un instant. Azafomédia vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience grâce à vous. Malgré le contexte exceptionnel, le débat continue sur Adafomédia, Radio Espace, Espace TV, Calac Radio, Suite FM, Calac TV, Espace Région. Continuez à réagir de votre côté, hashtag espace GG. Vos préoccupations seront relayées dans la deuxième partie de cette émission avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Et on va poursuivre cette émission avec vous, Moussa Moïse. On parle de ce courrier polémique qui fait jaser depuis quelques jours déjà sur la toile. Est-ce que ce ne sont pas des courriers? Parce que autant le FNDC doute de l'authenticité du courrier d'invitation
hein, invitant donc Amadou Damor Camara à prendre part à cette rencontre de l'Union des conférences mondiales des parlementaires. Et bien, autant, et bien, Amadou Damor Camara doute de ce courrier adressé donc au FNDC par cette même organisation. Donc, au fait, les deux structures demandent éclairage, surtout Amadou Damor Camara. Il faut souligner que c'est le 25 mai, le courrier qui invite Amadou Damor Camara, c'est le 25 mai que ce courrier a été signé. Et donc, je vais juste lire un paragraphe. Donc, c'est avec grand plaisir que nous souhaitons vous inviter à la 5e conférence mondiale des présidents de Parlement de l'Union interparlementaire UIP, en étroite coopération avec l'Organisation des Nations Unies et le Parlement autrichien. Donc, c'est prévu du 19 au 21 août 2020 à l'Office des Nations Unies à Vienne, donc du côté de l'Autriche. Alors, un tel courrier qui intervient dans un contexte aussi tendu, un contexte politique est tendu. Il est question ici dans notre pays de légitimité de la nouvelle Assemblée nationale. Il est question également de sa légalité. Mais quand une telle Assemblée nationale fait face à des coups de canon venant de la part de l'opposition, du FNDC notamment, et qu'il y a une certaine reconnaissance à l'échelle internationale, je pense que ça a fait beaucoup jaser. Ce courrier a été partagé, ça a enflammé la toile. On a été enfumé avec ce courrier par les différents communicants du RPG à Canada. Les grandes gueules. Si une certaine opposition ne reconnaît pas la nouvelle Assemblée nationale, eh bien à l'échelle mondiale, et une organisation pas des moindres reconnaît la nouvelle Assemblée nationale. Et d'ailleurs, on invite le nouveau président de cette Assemblée nationale, Amadou Damor Camara, à prendre part à une rencontre très importante. Et entre-temps, ce qu'on ne savait pas, c'est que le président, le coordinateur du FNDC, Abdelmal Sano, avait pris soin d'écrire à l'organisation en question pour savoir si, malgré tout ce qui s'est passé dans le contexte d'organisation des élections législatives, la répression des manifestants, le coup de force qui a quand même abouti à l'installation du nouveau Parlement, si en dépit de tout cela, des organisations attachées aux valeurs démocratiques, aux valeurs de la liberté d'expression et autres, est-ce que cette organisation peut se permettre d'inviter le président d'une telle institution, donc sortir de ce contexte de violence, à prendre part à une rencontre mondiale? Eh bien, Sano écrit donc à l'organisation qui va répondre au courrier d'Abdelmal Sano. Et le courrier qui réponse à M. Abdelmal Sano donc date du 3 juin 2020. Et c'est signé du président d'ailleurs de cette organisation. Il dit que, je vais juste lire un paragraphe, il dit qu'il n'a pas connaissance, I have no knowledge, mon anglais n'est pas bien, of any invitation made to Mr. Damaro to take part in the Fifth World Conference. Yes. Les grandes gueules. English speaker. Yeah, I can try. Il n'a pas connaissance d'une quelconque invitation donc de M. Amadou Damor Camara à prendre part à cette conférence-là. Eh bien, Amadou Damor Camara, surpris, va lui aussi réagir. Le 16, donc hier, il va écrire à Madame la Présidente de l'Union interparlementaire pour dire qu'il nous a été donné de constater sur des sites d'information en ligne de notre pays l'existence d'une lettre qui aurait été signée par vous-même, adressée à un certain, à un certain, comme s'il ne se connaissait pas, politique est grave, à un certain Abdraman Sano, remettant en cause l'invitation en date du 25 mai 2020, signée conjointement par vous et par le président du Conseil national autrichien et adressée au président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée. Donc, il dit, je vous serai gré des dispositions pratiques et diligentes que vous pourriez prendre par vos services compétents pour faire toute la lumière sur ce imbroglio. D'accord. Imbroglio, je pense que ça en est un, parce que il s'agira là d'un véritable camouflet pour le nouveau Parlement s'il s'avère que le courrier invitant Amadou Damor Camara n'est pas authentique. En effet. Ce qui m'étonnerait un tout petit peu, quand même, avec tout le tollé, toute la casserole que ce Parlement a connue, vous mettre encore dans une sorte de honte publique, vous mettre dans une posture au point d'être la risée publique, je pense que ça aurait été une provocation de trop, et surtout à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Donc vous ne croyez pas à une machination. Je prends cela avec des pincettes. Okay. Parce que quand on fait une face officielle,
je pense que la moindre des choses à faire au niveau du Parlement guinéen, ça aurait été quand même d'échanger avec ceux qui vous invitent, parce que vous allez quand même séjourner en Autriche, vous allez faire un petit temps. Donc, il y a des préalables, il y a des préparatifs. Il y a des préparatifs. Donc, ça m'étonnerait qu'eux, ils n'aient pas pris le soin de s'assurer que tout est prêt à ce niveau-là, parce que c'est quand même le président d'un parlement, du parlement d'un pays souverain qui doit se rendre à une telle rencontre. Mm-hmm. Mais également, j'ai des doutes. J'ai des doutes que le FNDC se permette de dire... De bondir, exactement. Exactement, à l'organisation de l'Union interparlementaire et que ce soit juste une sorte de coup de sabot donné au nouveau parlement. Mm. Je pense que la seule façon de nous séparer dans cette histoire, parce qu'il faut qu'on nous sépare, c'est la réponse du président de l'Union interparlementaire, de la présidente. Il faudrait que ce courrier vienne nous éclairer, parce que sinon, on est pris en tenaille par les deux camps. Mmh. Et les documents, je ne sais pas, il y a des spécialistes au niveau de l'authentification des documents, mais quand je regarde les documents, il y a un qui me semble bizarre. Il y a un qui est très pâle. Ils ne sont même pas les mêmes. Il y a un qui semble avoir été retouché au Photoshop avec... tout ce que nos geeks comme K1 peuvent se permettre de faire ici. Donc, mais je ne veux pas dire de quel courrier il s'agit. Il appartient à l'Union interparlementaire. Non, montre-moi le courrier qui est entre les mains. Je vais le faire à ta place. De nous éclairer. Partagez-nous. Voilà. Alors Jacques, peut-être trois constats préliminaires. Premièrement, il ne s'agit pas des mêmes entêtes. Les signataires ne sont pas les mêmes sur les deux courriers. Et puis là, c'est le FNDC qui m'envoie une remarque pour me dire il y a un qui a toutes les références et il y a l'autre qui n'en a pas. Comment y réagissez-vous, Jacques Léoy? Bon, et j'ai fait la remarque aussi, les entêtes ne sont pas les mêmes. Je trouve seulement que la lettre d'invitation qui est adressée au président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée porte le nom de deux expéditeurs. Donc il y a le président du Conseil autrichien, mais également le président de l'Union, la présidente de l'Union interparlementaire, et les deux ont signé en bas de la lettre. On ne sait pas si ce sont les signataires authentique, mais il y a les deux signatures en bas de la lettre. Maintenant, il se trouve que la lettre qui a été adressée à M. Abdourahmane Sano, bien entendu, de l'autre côté, comme je l'ai dit, l'entête est tout à fait... l'entête n'est pas conforme à celle de la lettre qui a été adressée au président. Il y a des références qui sont installées, n'est-ce pas, de l'autre côté. Donc peut-être ceux qui connaissent bien le fonctionnement de ces institutions peuvent nous aider à comprendre, ne serait-ce qu'à travers comment on appelle ça, les lettres administratives. Parce que il y a des lettres administratives, une institution qui a sa façon de les rédiger, c'est toujours conforme. Est-ce que l'Union interparlementaire peut adresser deux courriers avec deux entêtes différentes? Je me pose énormément de questions. Comme Moïse l'a dit, nous aurons la clarification à travers l'Union elle-même quand elle voudra bien répondre à la réponse, à la lettre, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale. Il y a quand même une chose, et là j'étais en train de m'amuser comme ça à penser que peut-être M. Abdourahmane Sano, sans pour autant juger pour l'instant quelle lettre est authentique ou et qui ne l'est pas, peut-être M. Abdourahmane Sano a effectivement écrit à l'Union interparlementaire. Et en s'exprimant... Pas pour t'interrompre, si je le fais. Oui, on m'expliquait que depuis plusieurs semaines, ils ont adressé une demande d'explication à l'Union pour information. On leur a dit effectivement qu'ils n'avaient rien émis de tel. Finalement, la présidente a dit, bon écoutez, pour formaliser tout ça, je vous enverrai un courrier. C'était en attente du courrier, donc ils étaient, ce qui a fait que ça a pris finalement beaucoup de temps. Ce que je suis en train de dire, j'ai dit peut-être... Il a écrit et il a demandé, est-ce que vous avez invité un certain Amadou Damaro Camara à votre réunion, à votre conférence? Bien entendu, moi, à la place de l'Union interparlementaire, je dirais que non. Bien entendu, un certain Amadou Damaro Camara, ça ne veut rien dire. Si c'est le président de l'Assemblée nationale de la République de Guinée, je pense que la réponse en ce moment aurait tout son sens. Ce n'était pas très important. Non, parce que
dans le courrier, il est bien mentionné président de, du Parlement guinéen. Ouais. Donc, ils savent de qui il s'agit. Non, ce n'est pas le courrier qui invite le président de l'Assemblée nationale. Okay. Je dis, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mmh. La lettre que Sano a adressée, puisque nous ne l'avons pas au niveau de cette lettre, bien entendu, il faut savoir comment on a désigné Amadou Damaro. Est-ce qu'un certain Amadou Damaro ou président de l'Assemblée nationale? On en saura. Donc ça, c'est la réponse qui a été celle de l'Union interparlementaire. L'Union interparlementaire a parlé de Amadou Damaro comme président de l'Assemblée nationale. De cela, on en saura un peu plus tout à l'heure avec Aliouba. Je sais quand même une chose. Très rapidement, s'il te plaît. Je crois que nos politiques, en tout cas ceux qui agissent au nom du FNDC, ils sont quand même audacieux et puis ingénieux. Et ils font beaucoup de choses. Oui, hein. Oui. Ils amènent le débat de la Guinée assez loin. Et je souhaite seulement que quelqu'un ne se fasse pas déculoter dans cette situation. En tout cas, jamais une opposition n'a été aussi intelligente en Guinée. En tout cas, oui. Je ne parle pas d'opposition politique, parce qu'on se sait. En tout cas, ceux du FNDC, ils sont très ingénieux. Mon cher Antoine, le courrier adressé à l'honorable Amadou Damaro Camara est en français. Celui adressé à Abdourahmane Sano est en anglais. Est-ce que vous pensez que c'est parce que Abdourahmane Sano aurait écrit un courrier d'information, de demande d'information en anglais? Ce courrier, on l'attend de voir ce courrier adressé par le FNDC. Pourquoi tu ris? Je ris parce que j'avais évoqué le terme anglais et français. Ah d'accord. Est-ce que c'est parce que Damaro comprend français et ne comprend pas anglais? On sait que Damaro a vécu aux États-Unis. Est-ce parce que Sano comprend anglais, c'est pourquoi on lui a envoyé ou parce qu'ils savent que l'État guinéen est francophone? De part et d'autre, on attend tout de même des éléments de preuve pour attester ce que l'un et l'autre dit, pour prouver que chacun d'eux a raison. Mais votre opinion, Antoine, cette histoire? Quand même. Votre avis? Je ne pourrais pas vous la dire maintenant. Ce qu'il faut dire, c'est que ça m'étonnerait que Sano est appelé par téléphone la présidente de cette structure. Je crois qu'ils ont écrit par mail. Justement, ce serait intéressant que nous ayons ce courrier adressé par le FNDC à cette institution. Ce serait l'un des éléments qui atteste que de façon administrative et officielle, ils ont été saisis. De l'autre côté, on a vu la lettre qui est en anglais. Et j'estime qu'il y a lieu tout de même que nous fassions recours à des spécialistes en question d'authentification pour être situés sur qui a raison dans cette histoire. Ah bon, à ce point. Ce qu'il faut dire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a trois entités qui jouent leur carrière dans cette histoire. Parce que pour moi, si au bout du compte, l'un d'eux a tort, à jamais il sera décrédibilisé. À jamais, ce n'est pas sûr qu'on lui fasse confiance désormais. Le FNDC, s'il est avéré que le FNDC est fautif dans cette histoire, je vous dis ceci, il n'est pas évident que les Guinéens désormais fassent confiance au FNDC. On aurait découvert qu'ils sont prêts à tout pour décrédibiliser l'institution d'en face. Si de l'autre côté, le Parlement guinéen... Mais ça, c'est connu. Non, attendez. Pour eux, ce n'est pas une institution légitime ni légale. Dans ce cas, j'estime qu'il n'y a pas de personne responsable au FNDC. On ne peut pas se le permettre tout de même. S'ils savaient qu'ils ont été capables d'un tel montage, à ce niveau, j'estime qu'il n'y a plus lieu de leur faire confiance. D'accord. De l'autre côté, si le Parlement guinéen avec Damaro a été capable d'inventer une invitation avec une telle institution, j'estime qu'il n'y a plus lieu de faire confiance à ce Parlement-là. Il serait nécessaire que tous les Guinéens... Vous lui faisiez confiance, Antoine? Non, je pose une question, c'est un débat. Tamba, ce matin, vous employez le terme de président de l'Assemblée nationale. Oui, c'est ce qu'il est. Chacun dans les faits. Chacun de nous reconnaît qu'il y a une Assemblée dans ce pays. Dans les faits, oui. Alors, ce que je dis, c'est quoi? S'il s'avère que le Parlement guinéen a tort, on mettrait croix rouge désormais sur ce Parlement-là qui, pour moi, n'a plus lieu d'exister parce qu'il ne prendrait plus de décisions qui engagent la nation. D'accord. Si, troisièmement, la troisième entité, qui est l'union interparlementaire, si c'est eux qui ont tort, j'estime que c'est une union qui n'est pas valable parce qu'elle ne peut pas, d'un côté, dire oui et de l'autre, dire non. Elle ne serait pas sérieuse dans ce cas-là. Et donc, j'estime qu'il serait important qu'au bout du compte, qu'on sache qui des deux a raison et que le courrier qui viendra soit vraiment authentique. Parce que l'un des camps est encore capable d'inventer un courrier réponse pour dire que j'ai reçu le courrier attestant que c'est moi qui ai raison. Il faut que tout soit vérifié afin qu'on sache qui des trois camps ou qui des deux camps a véritablement raison. Parce que ce qu'il faut dire, il y a un courrier qui est très bizarre. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un courrier bizarre. C'est important de préciser à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas eu accès à ce courrier-là, la présidente
de l'Union interparlementaire a précisé en anglais justement qu'elle ferait en sorte d'obtenir des clarifications auprès de ses services sur l'origine d'un tel courrier. Moussa Moïse, en une seconde pour dire que puisque nous sommes au 21e siècle, on va appeler en Autriche. Exactement, il est bien possible, nous allons... Il y a des numéros sur le courrier, on va appeler. Nous allons faire notre travail justement pour savoir de notre côté comment est-ce que tout ceci a pu advenir. Restez donc avec nous, continuez de réagir. Dans la deuxième partie de cette émission, nous lirons vos réactions, mais nous prendrons également Alioubha et Domani Doré. Ils nous aideront à faire la lumière sur ce courrier, sur les manifestations annoncées et puis... Barry, le secrétaire général de la FESATEL, s'exprimera sur nos antennes. Il nous livre sa part de vérité. Restez avec nous et c'est dans seulement 9 minutes. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.